Eh ben salut tout le monde, c'est LesGamer54, on se retrouve pour une petite vidéo pour un suite de Seul FPS sur Ni no Kuni 2. Et oui, ça va faire 3 mois, je crois, 3-4 mois qu'on n'a pas repris l'aventure, parce que voilà, j'ai préféré améliorer un peu les persos, à faire des quêtes annexes, des quêtes secondaires, etc, etc. Pour apprendre un peu de niveau. Bon, j'ai pas pris beaucoup de niveau, hein. J'ai pas encore rempli toute la barre de 42, parce que évidemment avec le personnage on avait eu niveau 42. Par contre lui, je crois qu'il avait pris un petit niveau, et puis Roland pareil, je crois qu'il avait repris un petit niveau aussi. En fait, niveau 37, c'est pendant les petits combats qui sont juste à côté. Et bon, après, à chaque fois qu'on relance la partie, ça les remet au bout. Alors, du coup, j'ai un petit peu avancé, c'est vrai, parce qu'on n'était pas ici. On était. Attendez, je vais vous montrer vite fait. On était. Eh ben, on peut pas montrer. Si, c'est bon. Attendez. Ah, voilà. On était ici quand on s'est arrêté la première fois. Au niveau 1, du coup, j'ai fait tout le niveau 1, j'ai tout fouillé partout. En gros, j'ai tué tous les boss, tous les monstres, etc, etc. Et aussi, j'ai fait jusqu'au niveau 2 et puis tout ça. Du coup, on est déjà au niveau 2. Alors, on est ici. Alors, je suis arrêté là, pourquoi? Parce que, je vous explique, à la porte, t'es juste dans la tour. Et ben, c'est l'endroit où il faut aller pour chercher un mélodique perdu. C'est pour avoir un peu de nouvelles de la personne qui était avec elle, en fait, avec celui qu'on contrôle, hein, évidemment, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, c'est pour un peu comprendre pourquoi il est comme ça, en fait, tout le monde, en fait, dans le village. Parce que rappelez-vous, il était un peu. Il est un peu paumé, en fait, il est perdu cette personne. Et du coup, on veut savoir pourquoi il est devenu comme ça. Et du coup, pour se rappeler de tous ses souvenirs. Et eh ben, il faut chercher tout simplement la machine parce qu'il a gardé tous ses souvenirs pour au cas où, si un jour il perdait la mémoire, etc., bah qu'il puisse retrouver la mémoire, etc., etc. Alors, les amis, nous sommes déjà à l'épisode 14 de ce Let's Play sur Ni no Kuni 2. Je vais vraiment m'enchaîner dessus, au fait, parce que comme vous savez tous, il y aura Ni no Kuni 1 Remaster qui va sortir au mois de novembre. Du coup, je compte me prendre, hein, évidemment. C'est Ni no Kuni, vous savez tous que je suis un très grand fan de ce manga, de ce jeu RPG aventure. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je veux. Il y aura beaucoup, mais beaucoup de live sur Ni no Kuni 2 à la fin de Final Fantasy. Voilà, Final Fantasy 15. Dès que j'aurai fini ce Final Fantasy 15 en let's play en live, et ben on enchaînera sur Ni no Kuni 2. Je pense, si j'enchaîne bien les épisodes de Ni no Kuni 2 en live, je pense qu'il y a peut-être moyen, j'ai bien dit peut-être moyen, de finir à partir du mois de septembre, fin septembre, début octobre, je pense que ça sera fini. Mais bon, on verra ça, les amis, ou peut-être même avant, hein, peut-être, sûrement peut-être. Tout le mois de septembre et c'est fini, peut-être, on verra. Du coup, c'est parti les amis, on perd pas plus de temps. Et ben, c'est parti. C'est à nous de faire droit, tout droit. Regardons vite ce qui contient. Évidemment. C'est un nouveau souvenir. Évidemment, on avait vu le premier souvenir, rappelez-vous, dans l'épisode 13. Dans l'épisode 13, hein, c'est bien ça, ouais. C'est bien ça, parce qu'on est déjà à l'épisode 14. Et voilà, on a enfin terminé. La baguette Neori est prête. Grâce à elle, n'importe qui va pouvoir se lancer des sorts. La baguette Neori va changer la face du monde. Félicitations, Vector. Voilà, Vector, voilà, c'est bien ça. Je n'aurais jamais pu réussir seul. C'est grâce à vous tous. La baguette Neori est le fruit de notre travail collectif. Merci mille fois à tout le monde. À cette époque, Vector respectait vraiment tous ses employés, que ce soit moi ou même les autres au plus bas des échelles. Comment a-t-il pu changer à ce point? Ouais. C'est bien triste.
Comment? Je crois que c'était une cinématique. Il y a beaucoup de blessés, nous faisons le maximum pour venir en aide à tout le monde. Je m'en fiche, j'ai baissé, le réacteur était endommagé. Non, la zone d'effet de l'explosion a été limitée. Le réacteur est presque intact, nous pouvons continuer les essais. Bon, tout va bien alors. Quant aux blessés, ce n'est pas la main d'œuvre qui monte ici. Notre priorité doit être de faire fonctionner le réacteur. Engager d'autres techniques, quelques snas sur le champ et travailler toute la nuit s'il faut. Eh ben c'est vraiment un bon salaud. C'est vraiment un bon salaud les amis, hein. Purée. Bon, plus d'une mélanie à trouver. Oui, j'en ai déjà une piste pour la trouver, on dirait qu'il est sur la chaîne de production. Allons vite à la chercher. Ah, mon avis, ouais, c'est ça. En fait, en gros, il se rappelle... En fait, tellement qu'il s'est enchaîné sur son projet, en fait, il se rappelle plus du tout comment il était avant. Par contre, je vais juste vite fait reprendre un peu sa santé là-bas. En fait, il s'est plus... Ouais, et en fait, il est un peu paumé, en fait. Il est tellement qu'il est... En fait, on a l'impression qu'il est possédé par quelque chose ou par quelqu'un. Ça se peut aussi. Mais c'est vrai qu'il a l'air plus gentil avant que là maintenant il s'en fout complètement de tout le monde en fait. Hein. Il pense que à son projet et puis tout ça. Alors du coup les amis je sais pas du tout s'il y aura des boss dans cet épisode. Combien de temps ça va durer un épisode. Je sais pas trop encore les amis, je vais voir. Hein. On verra au fur et à mesure. Mais en tout cas, ça fait vraiment très très plaisir. Là, par contre, je vous promets, les amis, je vais me mettre à fond dans ce Let's Play de Ni no Kuni avant que Ni no Kuni, premier du nom, sortira. Parce que, évidemment, j'essaierai de me le prendre le jour de la sortie. Et on fera un Let's Play dessus. Ça, c'est quasiment sûr à 100%, les amis. Ça, je vous donne ma parole que Ni no Kuni 1, j'essaierai de l'avoir le jour de la sortie. Mais si je l'ai pas le jour de la sortie, c'est sûr à 100%, je fais un DSP dessus. Voilà. Sûr à 100%. Ah mince, j'avais oublié cette porte. C'est la plus pénible. Que veux-tu dire par là? La zone et nous devons aller contient de tout le dernier prototype. La sécurité est donc encore plus renforcée. Vous voyez les trois lampes au-dessus de la porte. Elle restera fermée tant qu'on n'aura pas tous allumé. Et pour les allumer, il va falloir trouver et activer les trois interrupteurs qui se trouvent dans ce niveau. Quand c'est pas des rouages dans cet interrupteur, nous, dans notre repère, on n'a même pas de porte. En même temps, pourquoi une bande de pirates du ciel qui attaque régulièrement des voyageurs innocents aurait besoin de porte chez vous? Dralalala, t'es parfaitement raison là-dessus. Bon, trouvons vite ces trois interrupteurs. Alors, dit interrupteur, dit courant aussi. Hein, faut pas oublier le courant. Bah tiens, premier interrupteur, ça c'est cool. Mais je pense qu'il faut mettre le courant parce que je crois qu'il pour aller au côté, ça va être un peu compliqué. Ah, il y a des petits combats ici. Est-ce qu'il faut aller là? Je ne crois pas. À part si on veut faire du combat. Voilà, ça par contre. Ça c'est nickel. À mon avis, c'est pour la lumière bleue. Ouais, c'est bien ça. Ah, il y a le dernier interrupteur, je pense, c'est au milieu. Ouais, niveau 42, niveau 42, hein. Ça monte pas mal, là. Bon, là, c'est un peu du mal à monter. Est-ce que ça vaut... Ouais, vous savez quoi? On va tester, faire un petit combat ici, pour voir mon petit niveau. Oh, ça fait pas mal, ça. Ah, par contre, ici... Allez, oh, 5000. Vous avez bien vu ça les amis, 5000 que j'ai fait de dégâts. C'est abusé.
Ok. Bon. On peut dire que les combats, on est vraiment prêt, hein. On est vraiment très très prêt. Ça c'est cool. Par contre, la seule question que je me pose. Non, c'est pas ça. La seule question que je me pose. Est-ce que j'ai pas. Attendez. Est-ce que j'ai pas aussi des potions parce que ça fait très mal quoi. Des potions avant-hier sûrement. Ah si. Ah ouais, 3. Ah, attends, c'est pas un objectif ça aussi à faire le truc des 3 feuilles. Ah, je sais plus. Je sais qu'il y avait une quête seconde. Ah, bah attendez. Je sais comment on va faire pour savoir ça. On va ici, on va journal de bord. Quête secondaire. Non. Terrasse et Karine. Ouais, ça c'est une histoire ancienne, on s'en fout. Remporter la victoire, ouais. Ah non, c'est 4 de trèfle. Ok. Ce n'est pas 3, c'est le quatrième. Ok. Le quatrième, je l'ai pas. Du coup, ça va risquer un petit peu un gros souci si je dois faire un combat, les amis. Ça va être très compliqué. Ah. Ah, par contre, ça c'est pas mal ça aussi. Ah, il y a le bouton là. Attendez, je reviens les amis. Il y a quelqu'un qui va venir vite fait dans ma chambre et je reprends après. Je vous inquiétez pas les amis. Bon, re tout le monde. Re. Excusez-moi, un petit problème. Voilà ça. Bon. Non, c'est pas ça. On va essayer un autre truc. On va essayer les 4. Non, ça marche pas.
On essaye de tous les trucs qu'on a, les amis. Non, ça marche pas. La crème fouettée. Non. Et du yaourt. Ça a pas l'air de. Ouais. Bon, on l'a pas. On n'a pas le truc pour. Malheureusement, pour le réveiller. Je crois que ça va être bon. Avant, les amis, je vais sauvegarder. Je vais vite fait enregistrer parce que si je perds après ou des choses comme ça, j'ai pas envie de recommencer tout. Ah, purée, les combats. Bon, ça va, normalement, je dois passer ça. Oh non. Yes. Voilà. Au moins on a vu. Il faut prendre un peu de santé. Oui. Je vais sauvegarder comme ça c'est fait. Hop. Voilà. Puis je sauvegarde aussi ici. Comme ça au moins c'est fait. Voilà. Alors, bah c'est parti, on va continuer les amis. Alors je sais pas quand vous verrez cet épisode les amis. Alors, je pense que d'ici la semaine prochaine. Attendez, on est combien? On est le 29 août. Je pense d'ici demain ou après-demain, vous verrez cet épisode, je pense. Ouais, je pense qu'il y a sûrement moyen de vous mettre l'épisode demain ou après-demain. Ok, ça se passe. Bon, bah, c'est bon. On va l'aller. Ah oui, nickel. Ouh, ça c'est pas mal, ça c'est pour le. Non, j'ai oublié de sauter. Oh non. Bah, attendez, on va juste regarder vite fait l'équipement. Ouh, ça c'est pas mal, ça je prends vite. Oui. Ça, hop. Ah, je vais laisser comme ça. Ok, c'est nickel. Soixante-quatre, ça fait plaisir de voir une arme comme ça. Allez, n'oublie pas de sauter. Encore une. Voilà, c'est nickel. Et voilà, les amis. Super, on a réussi à allumer les trois éteurs. On va pouvoir pénétrer dans la chaîne de production. Youpi. Attendez, on peut faire comme ça? Bah oui, nickel. C'est un petit raccourci, les amis. Par contre, j'ai bientôt monté au niveau 43. Et ça fait plaisir. Allez, on y va. Oh! C'est beau. Ah bah tiens, il est là. Hop. Bravo, vous avez gagné, ils seront le dernier. Et voilà le quatrième Ménonite. On dirait que nous avons enfin réussi à trouver toutes les Ménonites que nous avons besoin. Regardons vite son contenu. Écoutez-moi tous, les produits de cette entreprise continuent à être des succès colossaux.
Cette ruse a aujourd'hui permis l'enchaînement de Mania Intelligentia, ce gratte-ciel qui sera notre maison mère. De plus, notre entreprise compte désormais 315 639 employés. Elle peut désormais être considérée comme une véritable nation. Le jour où Megaport deviendra la plus grande entreprise du monde approche à grands pas. Continuons à travailler tous ensemble pour faire de ce rêve une réalité. Veta. Ouais, en fait, c'est le pouvoir qui a rendu complètement cinglé, à mon avis. C'est le jour où on a fini la construction de cette immense tour. L'entreprise a vraiment fait du chemin depuis notre début. Pour Victor, à l'époque, l'amélioration de l'environnement de travail des employés était un objectif tout aussi peu important que ses propres inventions. Quand j'ai entendu nous en parler, j'étais certain que c'était infaisable. Mais il a tout fait pour réaliser cet objectif. À l'époque, Victor était si gentil avec tout le monde, j'espère pouvoir le revoir sourire comme ça un jour. Ouais, ça va être très compliqué, à mon avis. Ou peut-être il est comme ça parce qu'il cache quelque chose ou il est possédé vraiment par quelque chose. Supérieur, j'ai besoin de m'entraîner avec vous. Je dois concentrer toutes mes facultés mentales sur ce réseau, sur ce réacteur. Il y a un problème avec quoi que ce soit d'autre, règlez-le vous-même. Mais il semblerait que plusieurs d'entre eux aient réussi à s'introduire dans le méga d'usine. Alors éliminez ces régents, je n'ai pas le temps de perdre avec votre bêtise. Pour qui me prenez-vous? Je suis le grand supérieur Vector, l'homme à la tête de ce pays, et l'homme qui va changer la face de ce monde grâce au réacteur de la fusion néoragique. Ouais. Il est pas content du tout. Bon, nous avons nos 4 mélodies, il reste plus qu'à montrer leur contenu à Vector. Non, il reste encore une mélodie que j'aimerais récupérer. Mais tu nous as dit qu'il n'y avait plus que 4. Je parlais des mélodies qui appartenaient à l'entreprise, et celles que je tiens à retrouver n'en fait pas partie. Mais nous allons juste à mon bureau. Il est pas très loin, je vous espérerai tous quand on y sera arrivé. Ok. Bon bah on fait continuer à 5. Oh par contre ça pue ça par contre. Ça c'est mauvais signe. Quand on voit un truc de sauvegarde. Puce. Un truc de pour revenir vous savez rapidement, chemin rapide et tout ça. Ça pue. Franchement ça pue. Ça sent un combat ou un truc comme ça, je pense. Alors, ça c'est quoi là-bas? Ah, ça sert à rien. Ok, et par contre c'est bizarre qu'on a sorti par la salle là. Ouais, bref. On va voir. Ah, c'est le bureau, ok. Voici la pièce que j'utiliserai pour travailler. Il m'arrive souvent de rester dormir quand j'avais beaucoup de travail. Mais ça fait pas partie de... Ça fait pas mal de temps que je suis pas revenu. Ok. On devait y trouver une des mélodies personnelles. Et voilà, la mélodie de Suzy. Qu'est-ce qu'elle contient, ta mélodie? Disons juste que c'est l'événement le plus important de ma vie. Le plus important. Bon, avec toutes ces mélodies, je crois qu'on est enfin prêt. On va pouvoir faire revenir Vector à la raison. Ou pas. Il doit se trouver dans la salle de contrôle réacteur fusion néo-radio. Cette salle est au niveau supérieur. Dépêchons-nous d'y aller. Ah mince, j'oubliais de sauvegarder, tant pis. L'ascenseur doit droit devant, nous mènerons directement au réacteur de fusion de l'oraison. Oula.
Casque. On dirait bien que Victor sait que nous sommes. Aïe. Les amis, je vous ai dit, ça sentait un boss. Eh ben, ça a pas loupé. Oh purée. Niveau 48. Oh mon dieu. Oula. Niveau 48. Allez, pas eu. Oula, ça va. Ça prend pas beaucoup de dégâts. Wouah. Allez. Oh non. Vite, casse-toi. Pour 59. Ça va, il faisait pas beaucoup de dégâts, ça c'est bien. Ah vite. Vite, 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 on enchaîne, go, 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 go. Allez, on enchaîne. Ah. Bon, ça va, les amis, hein. C'est vraiment... En fait, faut juste faire gaffe. Aïe, aïe. Oula. Non, 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 ça fait mal. Voilà. Ah! Mais au dit de 4F, ça par contre je vais garder. Ça je vais donner au gars là. Non. Ou ça va faire mal ça. Oh! Ah oui, 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 oui. Non, je suis bloqué. Au secours. Ah oh purée, faut pas que je meure. Putain, y'a personne qui veut nous donner de la santé. Oh non. Ah bah ça y est, on a perdu Suzy. Oh, oh non, on a perdu. Oh purée. Bah essayez quoi. On a perdu. Chapeau pointu. Non, purée. Non, purée, ouais, on peut pas passer. Oh. Ah si, on peut. Ah purée. Attends, on a toujours. Ah ouais, on a toujours eu 4 trèfles. Attends. Hop, on y va. En fait, je crois que je vais garder pour moi. Pour Suzy, les potions et tout ça. Non, 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 non. Non. Au secours. Voilà. Ouf. Oh non mais. Allez. Oh non. Non mais ça va être dur, ça va être très compliqué. Mais non. Ouais, bon, je sais plus avec quoi. Attendez les gars.
Le seul souci, les amis, c'est que... Oh purée. Attends. Ce qui est ça. Hein. Attends. Ah c'est bon. Ouais, on va risquer de noyer les amis. Hein. Non, faut pas que je me prends celui-là. Oh purée, vite. Oh oui, il y a. Vite, masse. Oh non. Attendez. Oh purée, je peux pas prendre ça. Non, c'est quand quelqu'un meurt. Ah bah tiens, ça y est. Oh non. Oh purée. C'est chaud hein. Yes. Oh, 20 dios, c'était chaud les gars. Ça peut dire qu'il nous a envoyé la télé lourd. Ouais. Allons vite libérer Vector de son aura maléfique. Oh purée. Et bah vous savez quoi les amis. Et où le point de sauvegarde. Il y avait un point de sauvegarde ici, ah ouais c'est en dessous. Waouh. Oui, un petit point de sauvegarde s'il vous plaît. Ah par contre je sais plus s'il y avait un petit point de passage. S'il y avait un petit point de passage ou pas dans... Ça me ferait un peu l'œuf de refaire tout le chemin. Je sais plus s'il y avait un petit point de passage. Parce qu'en fait j'ai envie de retourner dans la petite quête pour redonner au gars. Le trèfle, parce que je sais qu'après il pourra venir nous aider. Non, pas toi, attendez. Parce que je sais que j'ai envie de retenir au gars, parce que comme ça il pourra venir de nos groupes. Point de. Ah purée, je sais plus. Bref. Tant pis, on va aller voir le gars. Si j'arrive à retrouver un type, vous savez c'est un petit chemin en fait, un petit machin tout bleu par terre. J'ai juste à cliquer dessus et puis voilà. Du coup, est-ce que ça va être long ou pas? On verra. En tout cas, il était compliqué hein, le boss. Vector, tu vas enfin nous écouter. Tu vas enfin nous écouter plutôt. Je n'arrive pas à y croire. C'est donc vous, ces fameux intrus. Vous m'avez fait réussi à passer à la sécurité et méga usine, mais il va falloir le renforcer. Nous sommes simplement venus vous montrer quelque chose. Quoi? Suivi les maudites.
Il est temps de souvenir du passé, Vector. Voilà, la tête qu'il a fait. Si jamais cette pile de tristesse fonctionne, c'est à revoir. L'unité énergétique. La technologie de ma bord va changer le monde entier. Je sais qu'un jour les gens reconnaîtront le génie de notre invention. Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce jour arrive. Je n'aurais jamais pu réussir seul. C'est grâce à vous tous. La baguette nourrie est le fruit de notre travail collectif. On est en train de revoir, il met dans le passage. Ok, je viens de comprendre. Le jour de Metabor devient le plus grand entreprise du monde. Approche un grand pas. Continuons à travailler tous ensemble à faire de ce rêve une réalité. Ah, pourquoi? Je ne comprends pas. J'ai encore une dernière mélodie à te montrer. Regarde-le et reviens à la raison. Redeviens le Vector que je connais. Je t'en prie. Mais là, on va le découvrir aussi, les amis. J'ai jamais travaillé là-dessus toute la nuit. Voici une pole test fabriquée pour la grande invention du monde. Elle sera parfaite pour toi. Ce n'est pas ma jambe, ce machin. Moi, je veux ma vraie jambe. Ce prothèse, ce n'est pas... Je comprends ce que tu ressens, Suzy. Mais nous sommes tous des ingénieurs ici. Nous avons le pouvoir de rendre la vie des gens plus belle. Et nous pouvons alléger la peine des gens qui souffrent. En tant qu'ingénieur, c'est même notre plus grande fierté. Tu veux vraiment tourner le dos à ça alors que nous avons là de quoi de te faire oublier ton accident? Cette jambe, tu l'as perdue, je veux la remplacer. Si jamais je perds une main, je ferai tout pour m'aider, n'est-ce pas? Vector. Cette prothèse que j'ai fabriquée, c'est un simple objet. C'est une partie de moi. J'ai mis tout mon art. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Je suis supérieur. Après tout, c'est normal. Oh, ça y est. Je crois qu'il est en train de changer. Cette mélodie. Regarde Vector. Aujourd'hui qu'il fabrique cette prothèse, plus évoluée, qui ressemble à deux gouttes d'eau de vraies jambes. Mais je n'ai jamais voulu changer ma vieille prothèse, parce que c'est pour moi, cette prothèse. Elle représente le courage que tu m'as donné. Je suis ici aujourd'hui, c'est une unique phrase à toi, elle. Ah. Tu étais autrefois un grand ingénieur et fantastique meneur d'homme. Tu étais un véritable ami pour moi. Et surtout, tu es incroyable à sens. Mais tu n'as pas pu oublier tout ça, Vector. Ah. On dirait Dragon Ball maintenant. Ouais, en fait, je crois qu'il était vraiment possédé. Ah, je me souviens de tout. Mais qu'est-ce qu'il s'est pris? Qu'est-ce qu'il m'a pris? Te revoyais, Vector. Tu es enfin revenu. Normal. Je suis vraiment désolé pour tout. Suzy, grâce à toi, je suis souvenu de ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Il recommence à attaquer la ville. C'est pas bon du tout. S'il continue à déchaîner comme ça, il risque de endommager le réacteur et de faire exploser. Et si le réacteur explose, c'est tout le monde d'abord qui sera réduit en cendres. Quoi? Mais il faut arrêter au public possible alors. Colosse possède une capacité de camouflage au titre. C'est impossible de retrouver sur votre écran de sécurité. Et mon radar à énergie détecte sa présence au sommet de cette tour. On peut s'y rendre avec l'ascenseur qu'on utilise pour venir ici. Dépêchons-nous d'y aller. Ok. Ah purée, y a pas de...
Chercher en fait juste un truc pour revenir rapide. Un porte-sauvegarde quoi. Oh non, ce n'est pas possible. Nani? Oh non, on peut plus monter sur les toits maintenant. On n'a plus assez à cet ascenseur. Saleté. Calmez-vous. Il nous faut surtout pas paniquer. Il va y avoir un autre moyen d'aller atteindre. Je crois que j'ai une idée. On pourrait créer un puissant champ de force. Lève ta tonnelle en réduisant toute l'énergie vers le tube à 3% de réacteur. Prodiger une énergie vers le tube de compression. Oui, ça permettrait de créer une relique continuant de rayonnement. Hop, le moment pareil, on t'appelle pas l'ingénieur, c'est de sauver pour rien. Mais si jamais on veut faire ça, je t'en fais pas, je sais, il va falloir vérifier cette théorie fonctionne avant de me féliciter. À toutes les questions, concentrez toute l'énergie du réacteur vers le tube de compression, mais supérieur. Le tube n'est pas supporté à une telle quantité d'énergie, il est sûrement fini par fondre. Il va falloir. Et vous savez bien ce qui se passera si le tube se détruit. Oui, le réacteur dépassera son surcritique et s'arrêtera automatiquement. On ne pourra plus jamais le réactiver. Tu es sûr de toi, ce réacteur est ton plus grand rêve. Oui, je suis sûr. Mes rêves n'ont aucune importance. Ma priorité est de protéger les habitants de ce pays. Je suis patron de cette entreprise. Je dois protéger tous mes employés. Oui, j'ai le plus beau compression du territoire. C'est un ordre. C'est incroyable, on va pouvoir monter. Alors, les amis, vous inquiétez pas, je pense pas que je vais faire ça dans cet épisode parce qu'on approche bientôt des 1 heure. Alors, bientôt. Comme vous voyez, je dois rester ici pour garder le réacteur le plus longtemps possible. Le moins d'erreurs provoquant une explosion fatale, je vais tout faire pour éviter une catastrophe. Alors, allez-y, allez vite, maîtrisez Colosse, je compte sur vous. D'accord, supérieur Vector. Allez, montons vite sur le toit. Yes, yeah. Y a pas de poste de garde? Aïe, 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 aïe. Bah les amis, vous savez quoi, on va s'arrêter là. On fera ça dans le prochain épisode parce que ça sent le boss du niveau tout simplement, peut-être même du chapitre. Du coup, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se retrouve. Ah si, c'est bon. En fait, bah c'est pas grave. On va quand même s'arrêter là. En fait, les amis, je vais vous expliquer, je vais faire quoi. Je vais aller juste au point de sauvegarde pour sauvegarder. Bon voilà, c'est bon, c'est nickel, comme ça on reprendra directement ici. En plus, niveau 43, j'ai gagné quand même un niveau, c'est parfait. Du coup les amis, bombardez le pouce bleu, partagez un maximum et me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé et vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de très prochainement, très rapidement aussi, pour la suite de cette aventure sur Ni no Kuni. Ça sera sûrement en live ou peut-être en vidéo, je sais pas, on verra ça les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, bye bye.